David Reyes, j'ai composé la musique de Derrière les murs. Et pour cette musique-là, avec Julien et Pascal, on avait décidé assez vite de faire une musique essentiellement axée sur les cordes. Parce que, bon, d'une part, j'aime bien ça, puis je savais qu'avec la texture des cordes, on pourrait jouer à la fois sur le côté atmosphérique, sur le côté tenue un peu bizarre et tout ça dont le film avait besoin, et également sur le côté émotion dont le film aura besoin, notamment vers la fin. Donc voilà, après différents essais, un peu dans différentes directions, on s'est arrêté sur cette musique-là. Donc j'ai composé, voilà, un peu dans un esprit où le début du film est plutôt atonal, je dirais, inspiré de Ligeti, Penderecki, ce genre de compositeurs contemporains. Et puis le film évolue, notamment via le thème de Valentine, à la fin, vers une musique, plus, je dirais à ce moment-là, plus romantique, plus traditionnelle. La musique, concrètement, on l'a enregistrée avec l'orchestre de Macédoine. Donc, on est parti là-bas. Ça a duré 4 jours, l'enregistrement à peu près. Et on a mixé pendant une semaine après à Paris. Il y a beaucoup de musique dans le film. Il doit y avoir près d'une heure, je pense, quand même. Donc, ça a été un gros challenge pour moi aussi d'arriver à construire un discours sur une heure, faire quelque chose de cohérent tout au long. C'est pour ça qu'il y a des indices musicaux qui sont disséminés dans le film et qui prennent sens petit à petit quand le film avance, notamment un motif associé à Suzanne, et puis le thème de Valentine qui se réchauffe au fur et à mesure de l'évolution de la relation entre Valentine et Suzanne. Je dirais que c'est les deux lignes directrices de la musique. J'espère juste que la musique va vraiment permettre au public de s'immerger dans le film et de ressentir, enfin, de faire le voyage intérieur avec Suzanne. Voilà. L'étoile? Ça va, c'est